François Cuny, bonjour. Bonjour. Enchanté. Vous êtes le président du pôle systématique. Le délégué général. Délégué général, pardon, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement justement ce pôle avec quelques chiffres clés sur les projets, etc. qui ont été menés? Oui, alors le pôle systématique, d'abord c'est l'organisateur du Paris Open Source Summit. C'est le pôle du numérique industriel avec donc une association qui regroupe des acteurs industriels et des acteurs publics de la recherche, des laboratoires de recherche, 800 membres, 500 projets pour quelques 2,5 milliards d'euros de R&D qui ont été engagés et énormément d'actions pour accompagner le développement des petites et moyennes entreprises sur les sujets du numérique plutôt industriel. On va retrouver l'Internet, la sécurité informatique, l'automobile numérique, la mobilité intelligente, la ville intelligente, la médecine et évidemment l'open source. Absolument. Alors juste comme... Vous présidez aussi sur ce salon. Quel est votre sentiment sur ce salon? Quelles sont les tendances qui émergent? Alors, je ne sais pas si j'ai un sentiment particulier, mais ça fait déjà plusieurs années maintenant qu'on organise ce salon, même s'il a été renommé cette année puisqu'il a fusionné avec Solutions Linux. Et comme l'annonçait cette fois-ci le président du pôle systématique, qui s'appelle Jean-Luc Bella, à l'heure, la tendance, c'est que le monde est au changement. Le monde est au changement et pour accompagner ce changement, eh bien, il ne faut pas rester immobile. Il faut changer aussi. Et les démarches d'open innovation, dont l'open source fait vraiment partie, sont constitutive de ce mouvement pour les industriels. C'est vraiment une solution, c'est vraiment un des éléments de la réponse que les industriels peuvent apporter. Et donc la tendance, c'est que ça devient incontournable. Ça devient incontournable. Ça n'est même plus, comme vous le dites, une tendance. C'est un fait. L'open source est là, l'open source existe. On avait le DSC de PSA qui intervenait tout à l'heure en keynote, qui expliquait que pour eux, ça fait partie intégrante de leur système d'information, des choix qu'ils ont pris, des orientations qu'ils prennent. Et c'est leur quotidien maintenant que de travailler avec et autour de l'open source, comme ils ont pu le faire par le passé autour des mainframes plus propriétaires. Quand vous parliez de changement, on a bien compris qu'au niveau technologique, il y a la maturité qu'il faut. Est-ce que c'est plus des changements en termes de culture finalement? Alors oui, je pense qu'il faut voir les changements dans toutes ces dimensions. Il y a le changement sociétal évidemment, mais là parle... Alors le changement technologique est une conséquence ou une solution, notamment l'open source, à l'accompagnement de ces changements sociétaux. On parle aussi beaucoup de changements liés au mode de travail, à la façon dont on interagit. La révolution du numérique a apporté... plein de modifications dans notre façon de fonctionner et notamment la multiplication des interactions et des données qui les accompagnent. Et ça, c'est un changement par nature, c'est un changement par structure, je ne sais pas comment l'exprimer, qui nous accompagne tous les jours et que l'on subit ou que l'on accompagne suivant la façon dont on regarde les choses. Et je pense que tout le monde ne peut pas l'appréhender de la même façon. Et donc, il faut y faire face, il faut le regarder, il faut l'appréhender et il faut trouver des solutions pour en profiter plutôt que de le subir négativement. Je crois qu'on est très fiers d'être l'organisateur de cette manifestation en partenariat avec Tarsus et tous les partenaires du programme. Et on tient à remercier particulièrement nos soutiens publics, la région Île-de-France et la ville de Paris, qui depuis le lancement de cette dynamique autour de l'open source nous accompagnent et nous soutiennent dans toutes les dimensions de l'organisation de cet événement qui prend son ampleur aujourd'hui et qui, je l'espère, au-delà des événements qu'on a pu vivre et qui ont un peu perturbé cette journée, mais qui en donne aussi pas mal de sens, vont vraiment donner à cette manifestation une ampleur nationale et internationale que l'on recherche. Absolument. Merci encore, François. Merci beaucoup.